où je suis. Non, il faut que je sorte d'ici. C'est un cauchemar. Non, je me sens en vraie vie. On dirait que je suis pas dans un cauchemar. Où je suis? Sonic? Ouais. On est coincé ici. Et en fait, on est coincé ici en fait, et on ne sait pas où on est. On s'est réveillé ici, mais ça fait depuis quelques secondes que je me suis réveillé. Mais il faut sortir d'ici. D'accord, pas de problème. Ouais, ça fait vraiment peur. C'est quoi cette fiche? Tu te rappelles? On est le 31. On est le 31 octobre. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ouais, ça fait pas peur pourtant, mais t'as raison en fait. Là, ça fait drôlement peur. Et on doit s'échapper. On est le 31 octobre. On dirait que le Halloween va devenir en vrai. Ouais. Ou peut-être on est dans le passé, parce que dans le passé, Halloween, c'était que dans les films. On fêtait pas la fête. Ouais, t'as raison. Oh là là, ça fait peur. Ça fait peur. C'est pas que ça fait peur, mais... Ouais, en fait, ça fait peur. C'est... Attends, quoi? Regarde! Un fantôme, le cercle du... Le film d'horreur. Un squelette. Et regarde, même Granny. On va tourner la fiche. Qu'est-ce qu'il y a? Sonic, ne tourne jamais cette feuille. Pourquoi? On dirait que ça va qu'on va se faire tomber dans les pommes. Attends. Où on est? On est dans une chambre enfermée et on ne peut pas être dans un cauchemar là, c'est impossible. C'est vrai. Ouais, même il pleut. Ouais, je sais, mais il est même 5 heures du mat. Et je crois que 5 heures du mat, ça veut dire que l'heure sera toujours restée. Mais pendant toujours la vie, on sera toujours enfermé ici à 5 heures du mat. D'accord, on a un plan. Super. Et mais on est là où, les gars, là? Nakaz, on est dans un magasin, là, et il est fermé, et on doit s'échapper. Oh, trop bien! Non, je rigole, Nakaz, mais c'est juste qu'on là, c'est grave. On n'a pas le temps d'être marrant, là. Ça, là, c'est un moment sérieux. Et même vraiment pas bien. Où on est, les gars? Oh, on est dans un magasin. Et on est le magasin, il est fermé. Du coup, on doit chercher la clé pour qu'on s'évade. T'as entendu ce qu'il a dit, Sonic? Bien. J'ai dit que j'ai rigolé. C'est juste parce que toi, tu es débile. Oh, d'accord, pas de problème. J'adore être débile, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, mais je suis débile, je suis trop bien. C'est n'importe quoi. Bon, les gars, pas de temps à perdre. Faut maintenant qu'on s'évade de cette chambre. Bon, maintenant. Ce moment devient vraiment peur. Ça fait vraiment peur, cet endroit. C'est tellement que... Venez les gars, on va trouver un truc quelque part. Ok, d'accord.
D'accord. Venez et écoutez ce que Mario dit. C'est lui le chef. Ni ni ni. Oh là là. Bon, les gars, tout ce qu'on doit faire, c'est d'essayer de s'évader, mais en même temps chercher une clé par là. Parce que regardez, là, je sais qu'il y a déjà une clé, mais ça, cette clé ne marche plus. Et il faut l'enlever, d'accord? D'accord, pas de problème. Oh là là. Ça fait peur, ça fait peur là à ce moment-là. Ouais. J'ai une stress de respiration là. Ouais, mais les gars, si on a un stress, on va pas y arriver. Si on fait un effort, on va y arriver. Ça veut dire qu'on aura la chance, d'accord? Mais ce sera pas bien si on va être resté ici pendant des heures. Faut s'échapper d'ici. D'accord, pas de problème. Mais c'est quoi en fait le truc de ça? On s'en fout! On n'a pas besoin de chercher une clé. On adore cet endroit-là. Ça a l'air bien, c'est une maison très bien. Faut jamais l'écouter, lui. Il faut jamais l'écouter. Exactement. Bon, les gars, on commence là. Faut chercher partout. D'accord, moi je cherche. Moi aussi. Moi je reste ici. Moi je vais aller chercher. Et Luigi, tu sais où il est? Je ne sais pas. Oh, il est peut-être quelque part, mais je sais pas. Le truc, c'est qu'il faut vraiment s'échapper d'ici. Le truc, c'est... En fait, si on avait Luigi, il sera plus fort. Hein. Il va trouver facilement les trucs. D'accord, pas de problème. Les gars, j'arrive même pas à chercher. Bah, viens ici. Ouais, d'accord, on attend que tout le monde arrive à chercher. C'est sûr que Knuckles va pas y arriver. Les gars, j'y arrive pas. Et voilà. Je reste avec vous. Moi aussi, je n'y arrive pas. Oh, sérieux? Ouais, je sais, on va être enfermé ici pendant toute la vie. Je suis désolée, les gars, mais il faut trouver une autre marine. Une autre manière au lieu de s'échapper contre la porte. Non, c'est le seul moyen où on peut s'évader la porte. Mario, tu sais qu'on a une fenêtre là? C'est peut-être là où on va s'évader. Hein. Mais t'es fou! Il n'y a même pas d'escalier, on va être assommé, on va être mort, ça va faire une longueur, nous on a tous la phobie de la hauteur. Hein. Oh, pas tous. Mais en même temps, c'est bien. Parce que, en fait, si on peut s'évader par là-bas, on peut trouver des choses pour construire une échelle. Ah ouais, trop bonne idée. Après tout va se déclinguer. Ouais, c'est ça. Oh d'accord, mauvaise idée. Les gars, on peut être sérieux là, parce que là on n'a pas le temps de s'énerver. Il faut chercher des choses. D'accord, pas de problème. Mais surtout, il faut être silencieux là. Vous avez vu le temps de bruit qu'on a fait? Peut-être quelqu'un va venir avec sa hache et après il va peut-être nous tuer. Ouais, à peu près.
apparemment. C'était quoi secret en fait? Je ne sais pas. Mais moi j'ai pas eu peur, c'était une personne qui rigolait. En plus c'était même pas une personne. Ouais, tu peux te taire un peu là, Knuckles? Bon, les gars, le plan qu'on veut faire, c'est que là, on a entendu un cri. Attends, je sais ce que ça peut être comme cri. Cette feuille-là, regardez, Halloween, c'est peut-être ça. Oui, mais c'est lequel qui fait ce bruit hein? Va voir. Un fantôme, ça c'est le chien Sébastien le mangeur. Ça c'est Granny. Une guillotine. Un squelette lanceur de sang. Une citrouille. La personne qui s'appelle Sang, le sang qu'on a. Le cercle, le film d'horreur. Et l'hache. Et la hache. Ouais, la citrouille, peut-être je l'ai déjà dit. Et le fantôme. Et la toile d'araignée. Hein. C'est tout ce qu'on a, en fait. C'est tout ce qu'on a. Mais je sais pas si... En fait, ce doit être Sang qui a fait ce bruit. Il a peut-être été tué. Hein. Parce que j'ai eu... En fait, je connais le nom parce que j'ai eu le temps de voir ce qui a été écrit là, derrière cette feuille. Quel est ton personnage préféré? En fait, c'est parce que en fait, tu écris ton nom et là, ils vont le envoyer aujourd'hui, là, le 31 octobre. Ok, pas de problème. Surtout, si c'est une personne, est-ce que ça peut être nous, avec une imagination? Peut-être. Hein. Bon, les gars, il faut juste s'évader d'ici, d'accord? On va chercher la clé. Attends, j'ai une idée. Peut-être celle-là, cette clé-là, elle doit marcher en fait. C'est juste qu'on doit la tourner comme ça. Ce sera débloqué. T'as raison. Et regardez, on dirait que cette chambre, il y avait une victime dedans. Parce que regardez cette trace de sang. Quelqu'un a été tué par ça. Ouais, je sais. Et c'est pas trop bien ce truc. Si y avait une victime ici, ça veut dire qu'ils ont probablement caché une clé là, parce que peut-être quelqu'un voulait se cacher ici et il a caché la clé quelque part et après il a fermé la porte. Ouais, ça c'est bien en fait ce que tu dis. Enfin, c'est pas que c'est bien, mais ça peut être vrai. Hein. Vous savez quoi? Je crois que c'est vrai. Ouais. Ok. Surtout si on est resté ici pendant des heures, et des heures, et des heures, peut-être qu'un monstre va venir ou peut-être une personne de ça va venir. Par exemple, Granny. Regardez elle. Ouah! Attends, c'est moi là où j'ai vu le vrai visage de Granny? Ouais. Tu sais, vous savez quoi? Cette image a été créée, a été dessinée par la personne qui a tué Granny. C'est vrai? Bah oui, après elle est devenue un zombie parce que à cause de la victime, c'est pour ça que elle était morte. Et c'est une mamie, hein, Granny. Ouais, je sais, parce que c'est un mot anglais. Et en français, ça veut dire mamie. Ouais, et ça rime en plus. Exactement. Exactement aussi. Bon, les gars, on peut juste s'évader là, parce que là, j'ai perdu une jambe, vous vous en rappelez? Ouais, mais tu sais, ça,
ça fait rien. Parce que toi, tu es débile. Et c'est toi qui l'as enlevé, en fait. Exactement. Et t'avais même pas. Et quand t'avais mal, t'avais même pas mal. Tu sentais même pas en plus. Ouais, et moi j'ai vomi à peu près des millions de fois. Et c'est parce que c'était dégoûtant. Il fallait plutôt que je regarde ça quand j'avais plus de 18 ans. Et ouais. Bon, les gars, quand même, on va tourner cette clé là. On va s'évader. Bon, c'est la fin. Ouais. Heureusement, plus un rappel de cette maison. Même de cette chambre, même. Ça fait trop peur. Oh là là, quand on va rentrer. J'aurai des cauchemars pendant des semaines. Bon, les gars. Vous savez quoi? On s'évade.